Bonjour Madame Graves. Bonjour, ça y est, ça sent le printemps, hein, ah Jared. Oui, c'est vrai ça. Je te le jure, Mike, Monsieur Shepherd, j'ai rien à voir avec la mort de Nate. C'est la vérité. Pourquoi tu tiens tellement à ce fusil, Jared? Comment dire... J'ai eu ce fusil par des moyens pas vraiment légaux. Si on le trouve et qu'on remonte jusqu'à moi, alors... Tu sais quoi? Je te conseille de me le filer et je vais m'en occuper. Le truc, c'est que ça vaut quand même 800 balles. Tu as une grosse épine dans le pied. Tu veux que je te l'enlève? Ok, ouais, d'accord, prends-le, c'est mieux. À ton avis, qui a pris ces photos? Quelqu'un veut qu'on t'ajoute à la liste des suspects. Je sais pas qui c'est. Enfin, si, je sais. Quelqu'un qui a un bon appareil avec un super gros zoom, non? Philip Henderson a ça. Pourquoi il ferait ça? Oh, il a jamais vraiment pu me saquer. Je suis un peu son rival avec les filles. Et en plus, je vois cette meuf là, Tanya Freeman. Et je crois qu'il a des vues sur elle. Je pense qu'elle préfère le café noir. Tu vois ce que je veux dire? Tanya Freeman. Ouais, tu la connais? Dans mon métier, on entend beaucoup de noms. Ah, elle est pas banale. Je sais qu'elle est maori. Elle a un accent australien, mais elle dit qu'elle est jamais allée là-bas. Encore une énigme dans un casse-tête chinois. Ouais, c'est ça. Pff, c'est une bombe! Est-ce que Tanya Freeman était avec Philippe le soir de la mort de Nate? Ouais, elle était avec lui. Ça ne t'a pas énervé? Non, les filles, tu sais, ça va, ça vient. Et puis je préfère avoir plusieurs oursins dans mon seau, tu vois. Tu ne mens pas?